De l'orthodoxie et docteur de l'Église, dont tu fus le ferme appui, ornement des saints moines et rempart invincible des théologiens, Saint Grégoire Thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la grâce le héros, invincible auprès de Dieu pour le salut de nos âmes. En fait, c'est la demande de l'Église auprès de ce grand saint, Palamas, en ce jour de sa fête, ou plutôt ce jour qui lui est dédié, puisqu'il a une autre fête aussi, le jour de son décès, le 14 novembre, pour parler de l'importance donc de quelqu'un qui a combattu toute sa vie, d'une part pour ses fidèles à Thessalonique, en tant qu'archevêque de Thessalonique, ça c'est la fin de sa vie, mais toujours pour la vérité de la foi. Alors, pour retracer un peu la vie, l'œuvre et surtout la présence pastorale, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, de Saint Grégoire Palamas, nous saisissons l'occasion de l'apparition de cet ouvrage que vous pouvez trouver à l'entrée de l'église. Cet ouvrage qui contient les 12, ou plutôt les homélies que Grégoire Palamas a écrites pour les 12 grandes fêtes de l'année. Et là, ça donne l'occasion pour ceux qui ont un peu l'habitude de côtoyer ces écrits, de découvrir un autre Grégoire Palamas, c'est-à-dire non seulement un dogmaticien, on le connaît comme un très grand dogmaticien, on le connaît aussi, on parle beaucoup de lui comme le chef en quelque sorte de cette théologie hésychaste qui a marqué le XIVe siècle et qui en fait est arrivé après, est rentré dans l'enseignement de l'Église orthodoxe et qui arrive jusqu'à nous. Mais avec ce livre, nous avons les homélies pastorales, donc quelqu'un qui s'adresse à ses fidèles. Alors, pour retracer un tout petit peu la vie de Grégoire Palamas, le situer dans le temps, évidemment, dans l'histoire, et surtout parler de cet ouvrage, nous recevons aussi, grâce à l'invitation de Mgr Dimitrios, le métropolite, Jérôme Clerc, qui a traduit les homélies de Grégoire Palamas. Jérôme Clerc, qui enseigne l'ethnomusicologie à l'université, mais qui est un féru de lettres classiques depuis très longtemps et qui a une passion pour Palamas. Il va nous parler de ça deux minutes quand même, parce que c'est intéressant de voir comment on peut peu à peu rentrer dans ces textes et leur richesse. Donc un livre qui est là depuis l'année dernière, en fait, aux éditions Lis et Parle, et qui est évidemment disponible à l'entrée de l'église. Donc, cher Jérôme, nous allons commencer peut-être par un mot un peu autobiographique, vous concernant, avant de passer évidemment au saint, pour que vous nous disiez comment vous avez eu l'idée d'approcher ces textes-là, oui. Et quelles sont les personnes qui vous y ont poussé. Oui. Bon, ben, donc, bonjour et bonne fête. Et oui, alors moi, je suis français, donc moi, de souche, paraît-il, il faut dire ça, je sais pas, j'aime pas ça, mais bon. Non, enfin, je suis français, donc j'ai découvert l'orthodoxie très jeune, et c'est vrai que j'étais un jeune, on va dire, plutôt intello,
Et dans l'orthodoxie, j'ai allé très vite vers des textes comme les ouvrages d'Olivier Clément, enfin des théologiens et de l'époque. Donc je parle des années, fin des années 70, vous voyez. Vladimir Lossky, théologie mystique de l'Église d'Orient, ces choses-là. Donc j'étais complètement enthousiaste de lire ces textes-là. Et évidemment, j'ai compris très vite en lisant ces auteurs qu'il y avait un grand, grand personnage qui s'appelait Saint Grégoire Palamas. Et dont, bien sûr, à l'époque, il y avait encore, on pouvait trouver à la procure d'ailleurs le fameux Triade pour la défense des saints hésychastes, traduite par Jean Mayendorf, en autre très grand intellectuel et spirituel, on peut dire, et immense spécialiste de Saint Grégoire Palamas. Mais donc j'ai abordé Saint Grégoire Palamas par les textes les plus ardus d'une certaine manière, puisque c'était quand même de la théologie parfois assez abstraite hein, quand on découvre ça. Voilà, alors je me suis bien imprégné de tout ça, mais c'est le père Boris Bobrinskoy qui m'avait dit, à l'époque où je devais faire une maîtrise en lettres classiques, il m'avait dit de regarder les homélies de Saint Grégoire Palamas en me disant « Mais tu sais, c'est très intéressant, c'est un autre aspect peu connu de cet auteur. » Et en fait, ça m'a tout de suite conquis. Parce que effectivement, je me suis retrouvé devant des textes beaucoup plus, je ne vais pas dire simples, parce que si vous lisez, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Mais c'est des textes où il y a l'exégèse de l'Évangile, une exégèse parfois très, très poussée, mais c'est magnifique parce qu'il y a ce rapport direct au texte évangélique. Ensuite, ce sont des textes qui n'évoquent pas tant que ça les controverses auxquelles souvent on associait Saint Grégoire Palamas, parce qu'on dit toujours, ah oui, la controverse hésychaste, les polémiques de cette époque-là. Et là, non, on est dans des textes qui sont vraiment pastoraux, qui donc sont destinés à nous tous, donc voilà, fidèles installés dans une église. Voilà. Et donc, alors j'avais fait quelques traductions à l'époque. Alors, en prenant quand même, alors pour vous dire un petit peu, puisqu'on a les 12 fêtes, hein, et il y a 24 homélies, donc 24 homélies pour 12 fêtes. Parfois, il y a deux homélies pour une fête parce que l'une était dite aux matines et l'autre à la liturgie, par exemple. Hein. Donc, on a ça. Et parmi ces 24 homélies, il y en a deux qui font explicitement référence à ce qu'on appelle la controverse hésychaste, mais surtout à la notion de lumière incréée, à la vision, enfin la théopsie, hein, quoi, théoptie, la vision de la lumière, et bien sûr la nature de cette lumière. Donc, qui est, on a une énergie divine, etc. Donc, on entre là plus directement dans la théologie dite palamite. J'aime pas trop non plus ce mot, puisque, comme vous savez peut-être, on a souvent dit, ah oui, il y a une espèce de secte là, parmi les orthodoxes, ça serait les palamites. C'était comme ça que l'Occident latin a souvent présenté les hésychasmes et Saint Grégoire Palamas, en disant, ah oui, c'est un petit... petite secte de moines là qui bon donc alors il y a ce sont les deux homélies sur la transfiguration. Donc j'avais fait ma maîtrise à l'époque sur ces deux homélies sur la transfiguration, et bien sûr ça m'avait donné ensuite envie de continuer à traduire. On avait fait une première traduction, et puis avec Georges qui est ici présent, notre éditeur, à qui il faut aussi rendre grâce parce qu'il a fait un travail magnifique. Vous verrez, le livre est un bel objet. Et donc on s'est dit, tiens, mais on pourrait reprendre ce dossier et puis faire une traduction un peu plus étendue. Et on est arrivé à 24 homélies. Voilà, c'est ça l'histoire. On a attendu parce que la pandémie, tout ça, ça nous a un peu retardé. On aurait pu le publier il y a 2 ou 3 ans, mais on l'a fait cette année. Voilà. L'histoire, si ça suffit, je pense. L'histoire est belle de la genèse de ce livre. Ce qui est encore plus beau, si je puis dire, c'est le contenu et l'intérêt pour Palamas, pour ses homélies et aussi pour l'époque. Alors, je crois, nous ne sommes pas là pour faire de l'histoire ni un cours, mais nous sommes là pour parler
des catéchèses. Cela dit, un petit mot pour fixer un peu le cadre. D'une part, de sa vie à lui, parce que c'est quelqu'un quand même qui vient de Constantinople, qui a eu une très belle éducation, avec des parents qui venaient d'Asie mineure. Une période très trouble. Hein, les musulmans sont déjà occupent pratiquement toute l'Asie mineure à l'époque, et à Thessalonique, la vie est très troublée. Donc il est allé à Latos, il est allé à Thessalonique, et en même temps, il y a cette querelle dont vous avez parlé, qu'on appelle Balamite, ou la querelle hésicaste, comme on veut, par le mot Isikia, le mot grec, Hésikia, qu'on traduit par calme, par quiétude, bon, quelque chose comme solitude, ça. Solitude. Ou solitude, voilà, aussi, c'est ça. Le fait de se retrouver seul et d'invoquer le nom de Dieu. Donc il y avait ce groupe de moines qui pensaient que de cette manière-là, évidemment, on approchait Dieu davantage, ce qui a suscité une très grande réaction de la part de plusieurs milieux. Alors il y a tour à tour, je résume terriblement, tour à tour, trois grands opposants à Palamas, d'abord le moine Barlaam, puis à Kindinos, puis à la fin Nicéphore Gregoras, et une très grande querelle, et l'Église orthodoxe a tout de même reçu tout ça à la suite de deux conciles d'ailleurs qu'on appelle des conciles balamites qui ont jugé que sa théologie était la bonne et tout à fait conforme, ce qui est très important, conforme à la théologie des pères de l'Église et des pères qui ont précédé. C'est d'ailleurs cette victoire en fait que célèbre notre dimanche. Hein. Exactement. Alors pour tous les saints d'habitude on met le jour du décès et le jour de la mort, donc la naissance au ciel, comme on dit aussi, pour la fête du saint. Donc c'est le 14 novembre pour lui. Il est mort le 14 novembre 1359. Mais évidemment, l'Église a jugé bon de lui consacrer un dimanche, en fait, pour le vénérer, le deuxième du grand carême, pour montrer l'importance de son enseignement. Tout ceci se passe peu de temps après sa mort et par ses élèves, ses disciples. Et donc, on voit bien qu'on est au cœur d'une période extrêmement fertile, très agitée, mais extrêmement fertile pour la pensée orthodoxe, pour l'enseignement. Oui, moi, je suis assez frappé par on pourrait dire, l'actualité aussi. Bah, pardon de t'interrompre, mais non, c'est parce que ça me frappe beaucoup, puisque d'ailleurs, il n'y a pas que l'histoire avec des musulmans ou des turcs hein, dans tout ça, puisque il y avait les serbes qui attaquaient dans l'autre sens. La période était extrêmement troublée. Il y avait Constantinople qui était déjà peu à peu colonisée, on va dire, par les Génois, Vénitiens et tout ça. Enfin, donc, Saint Grégoire Palamas, lui, bon, d'abord, il est né effectivement dans une grande famille de dignitaires de l'empereur, en fait, bon, tout près de l'empereur. Il est parti très jeune à Latos, donc vers 18-20 ans par là. Hein. On se remarque qu'il n'a pas eu une éducation. Il n'a pas reçu une instruction complète. Et en fait, on le souligne souvent en disant qu'il cite très peu Platon, mais qu'il est très Aristote. Il a des références aristotéliciennes assez nettes. Et ça correspond au cycle des études. Hein, c'est-à-dire qu'on abordait Platon après Aristote. Bon, donc il est parti assez jeune. Et en fait, moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que au fond, il y a quand même sa vie, il y a 20 années de pure vie contemplative et presque exclusivement de vie dans des ermitages où il allait au monastère de la maison mère, si vous voulez, les dimanches pour retrouver les autres moines. Donc il avait une vie absolument contemplative. Et il a commencé à mettre, on peut dire, alors c'était un homme très brillant intellectuellement, et il a commencé à mettre son intelligence au service de la foi assez tard. Et c'est la vie de Saint-Pierre Latonite, son premier texte, qui est suivi ensuite par un traité qui est une des homélies, qui a été intégrée dans les homélies, une longue, très très belle homélie sur la présentation de la Vierge au Temple. Alors, qui est d'ailleurs une homélie où il explique que la Vierge Marie est la patronne et la première hésicaste, en fait, de l'histoire, puisque quand elle est jeune fille, enfant, en fait, au temple, eh bien, elle découvre déjà, en fait, c'est là qu'elle commence, on va dire, ce qu'il appelle la prière pure.
et il décrit le processus, comment on arrive à la prière pure, de la manière la plus vivante qui soit, si vous voulez, à travers ce texte. C'est très beau, parce que là, on n'est pas dans une théologie très abstraite et tout, on est vraiment aussi dans une forme de récit, donc c'est très très beau. Ça, vraiment, c'est une homélie exemplaire. Mais voilà, et donc, il aurait peut-être continué, il n'aurait peut-être rien fait d'autre que rester dans son monastère ou dans sa vie contemplative avec les moines, s'il n'y avait pas eu des occasions, en fait, tout à coup, de se dire non, non, là, ça ne va pas. Et la première étape, ça a été les projets d'union avec Rome, qui ont donné des traités sur la procession du Saint-Esprit, enfin les traités dits apodictiques, démonstratifs, sur la procession du Saint-Esprit. Et là, il a commencé à faire de la théologie, on va dire, un peu polémique, mais. Vous voyez, ce que je trouve très important, c'est que c'est la circonstance, en fait, d'une certaine manière, qui l'a obligé à descendre de sa sainte montagne ou de sa vie contemplative pour s'affronter aux querelles théologiques. Voilà. Alors, ça a été très, très dur, parce qu'après, donc, vous voyez, il y a ces 20 années de solitude ou de vie contemplative, et après, il y a une dizaine d'années extrêmement difficile, en fait, quand on voit ce qu'il a vécu, donc s'affrontant à des controverses dans un contexte assez épouvantable de guerre civile dans l'Empire même. Il a jusqu'à être excommunié pendant un temps, où il va se réfugier à Sainte-Sophie pour y avoir l'asile, en fait, hein, pour être... donc il est excommunié, il a aussi été un peu emprisonné à un moment... Donc, vous voyez, c'est pas du tout une vie de tout repos. Et en fait, voilà. Et donc après, bon, ça, on va dire, les choses s'arrangent puisqu'il devient archevêque de Thessalonique. Mais même là, c'est pas si simple non plus, parce qu'à Thessalonique, depuis, je crois que c'est depuis à peu près 1340-41, à Thessalonique, il y a eu une révolte, une grande révolte sociale qu'on a appelée la révolte des Zélotes. On peut dire un mouvement révolutionnaire, si vous voulez, avec des gens, des classes pauvres de l'Empire et de Thessalonique, qui créent une sorte de commune, si vous voulez, voilà, qui se mettent à gérer complètement la ville de Thessalonique, ont quand même pas mal tué des gens de l'aristocratie. Voilà, donc il arrive quand il a été nommé lui-même archevêque de Thessalonique, il ne peut pas entrer dans sa ville à cause de cette révolte-là. Et puis bon, en 50, je crois, 1350, si j'ai bon souvenir, il faudra vérifier dans mon introduction, il peut en fait entrer à Thessalonique. Et c'est donc à partir de ce moment-là, alors il meurt en 59, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que sont prononcées et en tout cas écrites la très grande majorité des homélies que vous avez ici. Donc c'est la dernière partie de sa vie, d'une certaine manière une vie plus tranquille face à son peuple de fidèles qui vient l'écouter dans la cathédrale Sainte-Sophie de Thessalonique. Mais ça n'est pas fini. Puisqu'il a eu, on peut dire, une circonstance tout à fait étonnante et prophétique, puisque un jour, il est pris en bateau, il est pris par les Turcs, qui l'emmènent à Bursa, qui était à l'époque la capitale encore provisoire de ce tout début d'Empire ottoman, où il est en fait captif des Turcs, où il échange avec des théologiens musulman, où il est emmené ensuite à Nicée, où il rencontre en fait les communautés chrétiennes vivant déjà sous domination turque. Et il a écrit comme un document extraordinaire qui sont des lettres à sa paroisse, en fait, à son église, où il décrit un peu, où il raconte ce qu'il vit là, où il décrit ce qu'il vit là. D'une certaine manière, vous voyez, cet homme qui était le fils de Jean, venu d'Asie Mineure, qui avait fui
les conquêtes des Turcs pour s'installer à Constantinople. Lui, à la fin de sa vie, se retrouve en Asie mineure et a une vision finalement de ce qui allait être le destin ultérieur quoi, de l'Empire byzantin, en fait. Enfin, sa disparition aussi. Je pense qu'il ne se faisait pas d'illusions là-dessus. Mais voilà, donc c'est quand même un destin absolument extraordinaire, je trouve, d'un très très grand contemplatif qui n'a eu aucune peur. On sent cette stature aussi, cette droiture de cet homme, cette force presque inébranlable, si vous voulez, dans sa foi, et qui affronte des circonstances historiques extrêmement complexes, où il est lui-même pris à partie, si vous voulez. Enfin, il s'engage à fond aussi. Voilà. Donc ça m'émeut beaucoup, parce que à force aussi de lire, de traduire ses textes, de penser à sa vie, vous savez, quand on est traducteur, c'est toujours comme ça. On finit par quand même entendre la voix de, même si c'est une langue qui est ancienne et qui c'est loin de nous dans le temps, mais à la fin, ça devient familier. On a un peu l'impression d'être avec lui quand même. Donc c'est très émouvant. Voilà. Je vous dis mon sentiment, parce que je préfère parler de ce qu'on ressent aussi, le ressenti hein, dans tout ça. Voilà, pardon, hein, parce que j'ai pris la parole longtemps. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, maintenant, on va passer un peu au contenu. Je dis un peu parce que c'est extrêmement riche. Il faut lire et relire beaucoup de fois tout ça pour vraiment comprendre et approfondir. Mais aujourd'hui, c'est une approche comme ça qu'on fait. Et de toutes les homélies qu'il y a ici, il y en a une très, très belle sur la croix. La croix, déjà, on la vénère exceptionnellement. La semaine prochaine, le troisième dimanche du Grand Carême, et le deuxième est dédié à Grégoire Palama. C'est pour montrer aussi à quel point il tient une place très importante dans l'organisation du Grand Carême et de la préparation à la fête de Pâques. Alors, cette homélie est une merveille. Hein. Et en même temps, on voit bien, toujours avec lui d'ailleurs, qu'il a une approche aussi d'enseignant de catéchète, je dirais, parce qu'évidemment, il n'oublie jamais. Il ne peut pas, c'est pas même pas une question d'oublier, il ne peut pas être autrement qu'être un bon dogmaticien. Donc il fait toujours un petit cours, on ne le sent pas, mais il le fait quand même. Il prend les choses dès le départ, il passe en revue l'Ancien Testament, il prend toujours des Oui, ce qu'il appelle la croix avant la croix. C'est la croix avant la croix, tout à fait. Pour alors, montrer qu'en fait l'idée de la croix est là dès le départ. Hein, déjà préfiguration, hein, ce qu'on appelle l'idée de la préfiguration, c'est-à-dire comment la croix est déjà figurée dans l'Ancien Testament. Par exemple, Abraham quitte ton pays, etc. C'est déjà la croix. Ou bien quand Moïse enlève les sandales de tes pieds devant le buisson ardent, enlève les sandales de tes pieds, c'est la croix déjà. Ça signifie le renoncement, le passage vers... Donc ça, c'est la croix avant la croix. Alors après, il y a... Alors après, évidemment, il fait ça parce que l'Ancien Testament, évidemment, bonne théologie, c'est la préfiguration du nouveau. Voilà. Donc il ne veut pas commenter quelque chose du nouveau sans vraiment trouver les racines dans l'annonce, en fait, de ça. Et après, on passe au nouveau et on passe... Alors, je vais commencer plutôt par la fin, par un résumé extraordinaire qu'il donne de tout ça. C'est le paragraphe 26, on est très loin. Donc Jérôme va nous donner beaucoup plus d'éclairage, mais je le lis quand même parce que moi-même j'étais très frappé par ça. 228. La sagesse et la puissance de Dieu, c'est donc de vaincre par la faiblesse, de s'élever par l'humilité, de s'enrichir par la pauvreté. Et ceci n'est pas seulement la parole et le mystère de la croix, mais aussi son signe divin et digne d'adoration. Sceau sacré, salutaire et vénérable, qui sanctifie et rend parfait les biens surnaturels et ineffables accordés dès l'origine par Dieu au genre humain, qui supprime la malédiction et la condamnation, purifie de la corruption et de la mort, offre la vie éternelle et la bénédiction. C'est le bois du salut, le sceptre royal, le trophée divin de la victoire contre les ennemis visibles et invisibles, même si les fils de l'hérésie s'en détournent dans leur déraison. Je ne vais pas plus loin parce que, évidemment, ce texte est merveilleux, et pour voir à quel point il accorde à la croix un rôle central
dans la foi, dans l'expression de la foi, parce qu'il dit qu'elle est à la fois le signe de quelque chose, mais également le fond, pas seulement le signe. Alors, ça appelle un commentaire. Là, ce que tu as lu, c'est tellement bien dit que je ne sais pas si on peut commenter. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette homélie, justement, puisque tu cites là, c'est la toute fin de l'homélie. Donc, il y a l'Ancien Testament. Après, bon, on passe à au Nouveau Testament. Et cette homélie est aussi intéressante parce que c'est une de celles où il donne des préceptes un petit peu, c'est comme de littérature ascétique en fait, c'est-à-dire qu'il donne des conseils pratiques et là il parle d'ailleurs à la fin, là il parle, donc je ne sais pas, je vais retrouver ça, il parle de, on pourrait dire, il y a un petit passage d'Hésychaste là-dedans, hein, je vais juste reprendre. C'était 220 et quelques. Non, je vais peut-être pas. J'avais. Attends. Où est-ce que c'est ? C'est là. Voilà, c'est là. Voilà. Parce que quand il dit la croix, il y a la croix avant la croix, en fait, il y a une espèce de dédoublement. Parce qu'il cite aussi, vous savez, Saint Paul qui dit « Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié ». Donc il dit il y a deux sens de la croix aussi. Et alors il développe un peu là-dessus en disant « Bon, le premier mystère de la croix consiste dans la fuite du monde, la séparation d'avec nos parents selon la chair, s'ils font obstacle à la piété et à une vie pieuse ». Et dans l'exercice du corps, qui selon saint Paul est quelque peu profitable. Ainsi, le monde et le péché sont-ils crucifiés pour nous, une fois que nous les avons fuis. Selon le second mystère de la croix, c'est nous qui sommes crucifiés pour le monde et pour les passions, quand ceux-ci ont fui loin de nous. Et bien sûr, ils ne peuvent nous fuir parfaitement, ou ne plus opérer dans nos pensées, sans que nous ayons atteint la contemplation de Dieu. Donc, on revient toujours à ça quand même, qui est très fort, c'est-à-dire que le but pour nous tous, qui que nous soyons, c'est la vision divine et la contemplation divine. Et là, il donne, vous allez voir, il fait une allusion en fait à la pratique hésychaste. Car lorsque nous nous approchons de la contemplation par la pratique, contemplation, theoria et pratique, praxis, hein, donc les deux grands couples de concepts, que nous cultivons notre homme intérieur et le purifions en recherchant le trésor divin caché dans nos âmes et en considérant le royaume de Dieu qui se trouve caché en nous, alors nous sommes crucifiés pour le monde et les passions. Par cette méditation, une certaine chaleur naît dans le cœur qui chasse au loin les mauvaises pensées comme des mouches, introduit dans l'âme la paix spirituelle et la consolation et apporte au corps la sanctification. Comme il est écrit, mon cœur s'est réchauffé au-dedans de moi et dans ma méditation, un feu s'embrasera. Citation des psaumes. Et on pourrait dire plein de choses là-dessus. Vous voyez cette insistance, par exemple, quand il dit qui apporte, introduit dans l'âme la paix spirituelle et la consolation et apporte au corps la sanctification. Aussi un thème qu'on trouve très très présent dans ces homélies, c'est le sens du corps, une très grande différence vis-à-vis du corps. Il insiste souvent pour dire mais c'est notre corps aussi qui est sanctifié, ou bien ce thème d'ailleurs qu'on trouve ailleurs dans son œuvre, que les anges ils ont certes sont des esprits si vous voulez, mais ils n'ont pas le corps qui, lui, le corps, il a été vivifié par le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur a animé notre corps en soufflant son esprit dans la glaise. Et c'est l'honneur de l'être humain, ça. C'est l'honneur de l'être humain d'être un corps, puisque le Christ s'incarne. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très fort aussi là, c'est des enseignements magnifiques en fait, je ne vais pas commenter au-delà. Bon voilà pour la croix, on peut trouver plein, plein d'autres choses. Mais je voulais dire une petite chose aussi. Je suis frappé aussi dans ces homélies. Moi, j'ai été frappé par la beauté et l'intensité des figures féminines.
C'est pas pour faire moderne hein, et féministe, mais vraiment c'est frappant. Et en tout cas, au moins trois, donc la Vierge évidemment, et les homélies consacrées à la Vierge prennent un ton souvent assez lyrique, assez poétique, qui nous éloigne un peu du ton dogmatique, si vous voulez. Mais il y a d'autres figures, par exemple Marie-Madeleine. Alors je voudrais expliquer une chose, c'est que j'ai mis dans les homélies pascales, donc il n'y a pas vraiment d'homélie sur Pâques proprement dite, sinon un traité sur l'incarnation, sur l'économie de l'incarnation, mais qui retrace, on peut dire, toute l'histoire du salut depuis la chute, qui est d'ailleurs décrite souvent dans ce livre avec des espèces de grands tableaux tout à fait impressionnants, presque dramaturgiques, si vous voulez, de la chute d'Adam. Donc depuis la chute jusqu'à, bien sûr, jusqu'au second avènement, en passant par l'incarnation, la croix, etc. Donc là, il y a une homélie là-dessus. Mais sinon, comme il n'y avait pas d'homélie spécifiquement pascale, en fait, j'ai ajouté. Alors il y a les Myrophores quand même, les femmes qui viennent au tombeau. Donc voilà encore des figures féminines, elles sont très présentes. Il y a aussi les homélies qui sont dites les matines du dimanche, vous savez, les homélies des apparitions du Christ après la résurrection. Et là, par exemple, la péricope qui raconte la rencontre du Christ et de Marie-Madeleine devant le tombeau, elle est aussi magnifique pour la figure de Marie-Madeleine qui apparaît là. Et il y a presque de la, si vous voulez, une sorte de ton presque romanesque quand il raconte ça. Il entre aussi dans la psychologie. Il essaye d'expliquer certaines, on va dire, des implicites qui seraient cachés un peu dans l'Évangile. C'est très intéressant. Et une troisième figure féminine absolument somptueuse dans ces homélies, c'est celle de la femme samaritaine. J'ai une affection particulière pour l'homélie. Il y a deux homélies qui me touchent énormément, enfin trois je vais dire, quoi. Je pourrais dire 24, mais bon, trois si vous voulez. Il y a la Samaritaine, magnifique, il y a l'homélie sur les rameaux, dimanche des palmes, hein. Et puis une autre que je trouve aussi vraiment extraordinaire, c'est celle du dimanche de Saint Thomas, qui d'ailleurs parle, je ne sais pas si on disait ça à l'époque en Byzance, hein, le dimanche nouveau. Il dit que c'est l'homélie sur c'est l'institution du dimanche, en fait. Il explique que cette rencontre entre le Christ et saint Thomas, c'est l'institution proprement dite du dimanche. Alors voilà, je vous dis ces trois homélies, pourquoi je les aime particulièrement. Bon, d'abord, je vous dis à cause de la figure de la Samaritaine. Pour les palmes, ce qui m'intéresse beaucoup dedans, l'aspect social, si vous voulez, parce que il profite de ce rassemblement du peuple qui accueille le Christ pour donner une leçon extraordinaire à tous les niveaux, hein, sur le plan il y a une sociologie, si vous voulez, dedans, où il parle des différentes classes sociales, où il explique comment les intellectuels, donc voilà, par exemple, hein, et les puissants, ils ont quand même beaucoup plus de mal à être obéissant et donc à être sauvé vers le salut que les artisans et les gens simples. Voilà, bon, il y a des choses comme ça. Et dans son homélie sur les rameaux, il parle aussi magnifiquement de la royauté et de la tyrannie. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, a des échos directs avec nous, hein. Enfin, ce n'est pas simplement le XIVe siècle. Je pense qu'on y retrouvera toujours de quoi nous nourrir. Voilà, bon, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Monsieur Jérôme, vous dites beaucoup de choses, trop peu par rapport à ce qu'il y a dans le livre, mais ça, évidemment. Vous le lirez. Il faut lire et puis il faut... Alors, il y a bien sûr les œuvres dogmatiques de Palamas ont également été, en partie en tout cas, traduites en français, on trouve ça. Mais nous le rappelons ici, c'est peut-être une occasion unique de rencontrer également en lui le pasteur, le père spirituel. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On dit toujours archevêque de Thessalonique. On peut d'ailleurs toujours aller à Thessalonique vénérer ses reliques dans la cathédrale de Thessalonique actuelle qui s'appelle Saint-Grégoire Palamas, enfin qui lui est dédiée, dédicacée.
Mais évidemment, rien ne vaut la lecture directe. Et comme vous avez dit, il y a des échos tout à fait évidents avec notre époque, parce que justement, il vit dans un contexte social, historique, extrêmement troublé. Et donc, c'est pas, il parle des icasmes, enfin, il est dans la quiétude, dans le bon sens du terme, et en même temps, il vit dans une société qui, elle, n'est pas du tout dans la quiétude, hein, c'est pas, tout le contraire même. Et d'ailleurs, on admire comment, oui. Oui. Au milieu de cette agitation sociale, il a pu, il a voulu, il a su, enfin, Dieu l'a aidé, oui, oui. À garder cette distance et de cette manière-là aider tous ceux qui l'entouraient d'ailleurs. Et c'est peut-être ce que l'Église a retenu de lui, sauf évidemment les cours de dogmatique qui sont très souvent, enfin qui sont friands de sa théologie, hein. C'est normal parce qu'il a beaucoup. Alors peut-être vous avez fait une allusion tout à l'heure à ça, mais je voudrais revenir sur la question parce que Grégoire Palama c'est quelqu'un qui a été mal compris par l'Occident et très tardivement reçu, je dirais, en partie en tout cas. Il suffit de lire des choses écrites au cours du XXe siècle sur lui par des grands théologiens occidentaux et qui sont très virulents parfois, hein, oui. Pour comprendre qu'on a mis du temps à comprendre qu'en fait il est tout à fait dans la grande tradition patristique de l'Église et qu'en fait, bon, comme d'habitude, les pères de l'Église, il est dans leur lignée, reparle de quelque chose quand la question est posée, mais en fait, ils sont toujours sur la même trajectoire, hein, sur la même. Alors, un mot peut-être sur ce renouveau du palamisme, si on peut appeler, quoique le mot isme, enfin bon, n'est pas très bon. Mais... Ben, je ne sais pas, ça, oui. Ben, qu'en dire ? C'est-à-dire, finalement, on doit être très reconnaissant aux théologiens russes, quand même, d'avoir... c'est quand même frappant. C'était Basile Krivosheïn, Jean Mayendorf, et Vladimir Lossky aussi, par ailleurs. C'est eux qui ont fait, d'une certaine manière, revenir Palamas, mais même peut-être en général, même dans l'orthodoxie d'ailleurs, parce que c'est pas sûr que Palamas ait été si lu, par exemple, au XIXe siècle, dans le monde orthodoxe, j'en suis pas sûr. Il a été vénéré, mais pas lu. Oui, pas compris, c'est ça, d'avoir été vraiment... Donc ce sont ces théologiens qui l'ont fait ressortir, si vous voulez, et qui ont insisté sur son importance... Peut-être parce que, bon, ben voilà, vous avez, il faut aussi voir que Saint-Grégoire Palamas, c'est quand même 14e siècle, c'est la fin de l'Empire byzantin, avec cet sentiment sans doute de fin du monde un peu, hein, qui devait vivre. Ça peut s'apparenter au début du XXe siècle aussi, finalement, hein, et à l'histoire du XXe siècle, ou à ce que nous, peut-être, nous sommes en train de vivre en ce moment, qui n'est pas très, très réjouissant. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? L'association d'idées, à propos de faire ressortir, je ne sais plus ce que je disais, en fait. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, on s'est ouvert, vous avez parlé des théologiens russes de la diaspora, hein, oui. de très grands noms, mais évidemment, après, il y a beaucoup de théologiens serbes aussi. Oui, oui, évidemment. Et toute cette génération. Dimitrou Stalinovich, je crois. Et après aussi le père Stanilov et aussi Roumain, oui, qui ont ouvert cet enseignement, cette théologie, cette richesse, en fait, au monde orthodoxe multiculturel. Il y a toute une génération d'évêques serbes, élèves de Saint-Justin. Ah oui, qui sont tout à fait, qui ont fait des travaux très importants. Et puis, évidemment, il y a en Grèce, à Thessalonique en particulier, mais il y a un grand renouveau, évidemment, et on travaille beaucoup sur lui. Donc, on voit que 50 ans, je ne sais pas, 60 ans, peut-être un peu plus. Ah oui, bah ça, il s'est passé beaucoup de choses, même pour les homélies, d'ailleurs, puisque maintenant, elles sont toutes réunies dans un volume. Il y a eu une édition extraordinaire, donc des œuvres complètes de Saint-Grégoire Palamas en grec. Moi, quand j'avais commencé, donc c'était dans la fin des années, enfin, donc en 82, en fait. Et je me souviens, il y avait la patrologie grecque qui n'avait qu'un groupe des homélies. Bon, il en a fait 63. Je voulais dire un tout petit mot là-dessus, peut-être on va conclure aussi, puisqu'on a atteint un peu le temps, mais
Là, vous avez 24, il en a écrit 63. Il faut savoir que dans l'Empire byzantin, les homélières, les recueils d'homélies étaient très prisés. Il y en avait beaucoup. Et que ça servait de catéchèse, en fait. Tu as cité ce mot catéchèse, mais il n'y avait presque que ça comme catéchèse. Il n'y avait pas de catéchisme, si vous voulez, d'enseignement catéchétique comme nous on le concevrait. Et les homélières étaient donc une source d'instruction aussi. Et c'est un des très très rares qui nous reste, un des très rares homélières complets qui nous reste, en fait. Là, les Turcs ont même beaucoup détruit les bibliothèques, en fait, etc. Et donc, d'où l'importance en plus, puisque, vous voyez, on est à la fin de l'Empire byzantin, 14e siècle, et on a 63 homélies, donc un gros morceau. J'ai très, évidemment extrêmement envie de continuer le travail et qu'on aboutisse à une édition complète de ces homélies. Il faut savoir aussi que là, c'est les 24 fêtes, mais vous avez des homélies qui concernent des dimanches plus, enfin, entre guillemets, plus normaux, plus simples, mais c'est-à-dire comme aujourd'hui, si vous voulez, voilà, hein, des péricopes sur les miracles, les guérisons du paralytique ou de l'aveugle, etc., ou bien des commentaires de paraboles. Et ça, je suis très, très, très impatient de m'y mettre parce que j'aime beaucoup aussi la manière dont Palamas analyse le texte, décortique l'écriture. Je trouve ça tout à fait passionnant, parfois inattendu. Il trouve des espèces de petites fulgurances comme ça, voilà. Donc j'ai très envie. Il y a aussi des homélies très circonstancielles. Il y a une homélie sur l'épidémie de peste, puisque en 1348, la peste s'est abattue aussi dans cette région. Il y a aussi des homélies qui parlent de la récolte, des moissons. Oui, il y a des choses. Là aussi, je suis très impatient. J'ai pas encore travaillé dessus. Hein, je suis très impatient de creuser tout ça et de voir aussi ce lien plus direct, on va dire, avec la vie concrète des gens. Vous voyez, pas seulement. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire, hein, encore. C'est un gros travail. Et je pense que. J'espère que, si Dieu veut, je pourrai faire ça. Nous l'attendons tous, cher Jérôme. Merci beaucoup. Alors, nous attendons la suite donc, qui va venir. Et merci beaucoup à notre ami Georges, qui est un éditeur héroïque, hein, tout à fait indépendant. Je dois le dire beaucoup parce que je suis un amoureux des livres aussi. Et franchement, tout ce qu'il porte, lui tout seul, pour son édition, eh bien, je le félicite. Vous ne pouvez pas savoir combien je lui suis reconnaissant de nous avoir permis de faire apparaître ce beau livre. Et grâce aux éditions Liéparle, donc, auxquelles vous faites allusion, nous avons ce bouquin, mais nous avons également les lettres aumoniales d'Égine écrites par Saint Nectaire, quelque chose qui est d'actualité aussi maintenant avec le film sur Saint Nectaire qui a circulé, et où il est question justement de la fondation d'une communauté, et puis d'autres ouvrages sur Saint-Ménin, par exemple. Et alors, ces ouvrages, évidemment, sont disponibles à l'entrée de l'église à un prix préférentiel fait pour les gens qui sont là aujourd'hui, exceptionnellement, mais évidemment, on peut les trouver après en s'adressant aux éditions Liéparle ou, j'imagine, par Internet. Merci aussi beaucoup à la chorale de la cathédrale qui a chanté tout à l'heure le Tropère du Saint, dirigé par leur chef de chantre, Lambros, oui, c'est ça, notre ami. Et là, on est vraiment tout à fait dans l'atmosphère. C'est pour ça que nous avons voulu commencer par ça, parce qu'on est dans l'atmosphère, justement, byzantine, je dirais, puisque Palamas nous y invite de manière très chaleureuse. Alors, peut-être un mot de lui, juste pour terminer, c'est quand il identifie la croix. Je reviens à la croix. Il dit, or, la croix du Christ, c'est cela, l'abolition du péché. Et je crois qu'avec ça, il résume une très grande partie de l'enseignement. Et c'est pour dire à quel point on peut lire d'ailleurs des extraits, même une homélie, on peut la lire par extrait. Mmh. Et il y a toujours des choses à tirer de ça. Et penser que vraiment, on est là dans le grand enseignement de l'Église, et en plus, un père spirituel qui nous guide, ce qui est très utile, en plus, en ces temps de carême. Donc, merci beaucoup et donc à bientôt. Eh ben, merci, Alexis.